Déterminé pour l'épanouissement de la ville de Goma à travers le football sport au roi, Patrick Munyomo Basilwango, fils de Goma, ne vise que redonner le DC Virunga sa place digne qu'il a occupée il y a une décennie. Cela s'est manifesté au public de Goma en général et les fans du team vert blanc en particulier il y a plus de 4 mois depuis qu'il est le super manager. Son salon à Kinshasa et sa chambre à coucher à Goma, Patrick Munyomo est toujours avec le DC Virunga, pas seulement lors des matchs, car les entraînements sont le moment des meilleurs moyens de booster le moral des joueurs. D'après le grand mécène des différentes disciplines sportives, il y a plusieurs moyens de faire avancer l'équipe, entre autres les différentes contributions, surtout lors des entraînements. Voilà qu'il en est le modèle, car chaque fois arrivé au stade, il y laisse sa Jeep, puis payé comme tout le monde, la contribution pouvant lui permettre d'assister aux entraînements de son équipe et le DC Virunga, et pourtant il est le grand manager contributeur. Voyageur dans les quatre coins du monde, chaque fois de retour, il ne manque pas dans son gibecière quelque chose de nouveau pour le DC Virunga. Voilà pourquoi très tôt dans la matinée de ce mardi 6 novembre 2018, a doté son équipe la super gamme de varèzes et boutines de luxe. Et pour lui, ce n'est que le début de ses ambitions d'amener le DC Virunga au standing des grandes formations du monde. Fier d'être fils de Goma, ce matin accompagné par M. Tambo Diouf Patio, ancien attaquant du DC Virunga, aujourd'hui a déjà traversé sur les grandes frontières à travers le football professionnel, après l'Afrique, l'Europe, aujourd'hui en Asie, précisément au Vietnam, où il termine la saison étant meilleur buteur. Pour Patrick Munyomo, c'est une fierté de voir les enfants d'une même contrée conjuguer ensemble leurs forces et sous la guidance du président et les staff et dirigeants, l'équipe DC Virunga se trouvera toujours au sommet. Profitant l'occasion, nous avons voulu savoir pourquoi Patrick Munyomo, politicien actif, d'ailleurs candidat à la députation nationale numéro 47 pour la ville de Goma au compte de l'AFDC, parti politique cher au patriarche Modeste Bahati Lukwebo, il nous a signifié que son choix du football n'est autre qu'il est l'unique sport au monde par lequel tout le monde se retrouve. Quant à la politique, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de commentaire. Bon, pour investir dans le sport, il faut d'abord investir dans la jeunesse. Parce que pour l'Igné, il faut aller au désolé, on a tant de Mugonjwa, mon hôpital, la Kini, il y a équipe qui a pu soutenir. Na Kassia comme équipe qui a gagné, na wa zate zata kupona. Donc, sport yetu ni monde yé inagusa, qui la structure yote, qui la couche yote, ya population. Takuta ba toto kidogo, takuta ba jeune sa vie de chier, takuta bazé. Donc ni monde yé na kusa ba tuyo. Na mie, en tant que mtoto wa Goma, en tant que jeune de la ville, ni disema ni monde yé vraiment na nikusa. Dieu il est lié à chani sute. Ça santé ya Virunga kwanza, tuambie santé ya timu. Mnafikia wapi juu? Tunayua wakati mwa timu ilikuwa inafanana kupotea. Santé ya l'équipe est tout de ce Virunga pour aller comme Zurisana. Comme Zurisana. D'ailleurs, vous le savez bien, tout on a gagné tout. Ma match était qu'on a couillé tout qu'on a gagné. Et la question qu'on a match, la dimanche, tout qu'on a gagné le match. Donc, si y est tout qui a un esprit, il y a ma victoire. Santé comme Zuri. Effectivement, avant-hier, ça fait longtemps, tout quoi, moi, il est Shida. La Kini Shida. Il n'a pas parce que l'équipe est une équipe à Moupia. Il y a une dirigée par le président Bezo, que je remercie aussi. Et donc, tout pour parler, tout le monde est fanatique, tout le monde a confiance. C'est le moment où il y a Virunga et Panda. Effectivement, après le championnat, tout le monde est à Kwanza. Natende kwa competition africaine. E pembeni yako kuko mtu moyo wa nguvu. Ni nani tena? Bon, mtu niko naye atasema mbele, lakini siwezi kumpresenter public. Yeye ndio daire ataku kumpresenter. Parce que yeye iko star. Yeye kila mtu anamjua. Yeye iko international wetu. Tambo Diouf. Mwenye effectivement mnaiwa kama iko ancien wa équipe yetu DC Virunga. Alitoka, alienda mainchi yote, alienda Europe, alienda fasi yote, leo iko Vietnam. Me, ni mtu mwenye anafatililia ekipe yake de pre. Apare sport uko politisien. Tunasikia, apa muko mkifukutu jumu na ngoya sifle moe kutoka Kinshasa kuseni. Nayo ungelituzunguzia kidogo.
Bon, minawaza ata politique nayo inakuwa inaenda na sport sana. Niko na ma exemple zenye mnajua kuko ba président même hapa kwa nchi yetu, ni ba président ya ma équipe na ni ba politicien. Haiko kitu ya ku mnabijua. Mais mie si c'est kama mimi nakia ku mélanger hapa. Politique tunaenda na ukule na équipe tunaenda nayo. Son complice, l'international Tambwe Patio Diouf, ancien sociétaire du DC Virunga, c'est une fierté lorsque les jeunes comme Patrick Munyomo se donnent une charge de supporter une équipe pour l'encadrement de la jeunesse, tout en soulignant que le DC Virunga est une famille très solide. Donc, famille vert blanc DC Virunga, je pense que à chaque fois que je suis là, si je suis là, pour moi, c'est la famille. S'adressant aux fans en présence du président sportif, le manager Patrick Munyomo Basiluango leur a signifié le contenu de son nouveau gibecière. Jambotena. Apa. Je vais vous présenter des fois. Aïko Ville, Injo famille Yang. A tout à fait, il y a ma discours ou pas. Mais ni wakati ya kabambi sana yenye mwiwe kama vice président wenu, manager wa équipe wenu, iko na souci ya équipe sawa vile nyinyi. Tunasikilizana? Ndio. Mie niko sawa vile nyinyi. Mie sikukuya mu équipe, je ne pas te franga mu équipe. Mie sikukuya mu équipe, je ya ma intérêt kidogo kidogo. Mie kama niko mu équipe, ni jo équipe yetu iende mbele. Mimi nawaza na nyie, njo kweli ile. Haiko vile? Ndio. Est-ce que mnapataka franga hapa? Alors, mimi nawaza tuko na vision moja. Na kweli yenyewe iko chez bote pa moya. Équipe yetu itaenda mbali. Tuko mwanzo wa championnat. Malgré batu watasema hivi. Mais mulisha ona deja kama tuko remontanda. Haiko vile? Yeah. Est-ce que kwa tutapigia ekipe mikono? Shie venye tunakuya ku basaidia nyie be mulikoka depuis zamani. C'est pour que effectivement munayo kama tulikuwa na difficulté kidogo kidogo. Mais tunakuya ku combattre nayo pour que tuimalize. Na kweli yenye iko ile ma problème kidogo kidogo itaisha. Tunasikilizana? Ndio. En tout cas mie sina mingi ya kuambia ba fan, niko wenu na siwezi ba trahir. Nilikuwa mka déplacement kidogo na Mungu anasaidia comme d'habitude. Chaque fois kama mimi natoka kidogo, mimi nakumbukaka ekipi kisi na nyimu nikumbukaka. Nileta mabotini kidogo, nileta mavarezi yenye tutavala kwa hii mamachi ziko zinakuja. Tunasikilizana? Parce que va jouer bana pasha kuwa d'abord propre. Unanifuata? Ndio. Jouer anapasha kuwa na botini ya bien, anapasha kuwa na varezi ya bien. Anapasha nyolewa mzuri. Ile ni mamorale yenye même l'international Tambwe Diouf anabatupatia kila siku hapa. Tunasikilizana? Na tutajikaza pole pole. Ba jouer batauziwa pole pole. President Bezo. Alalaki. Tunasikilizana? President Bezo alalaki kila siku. Mawazo yake yote ni shaka tu hapa kwa ekipe yetu. Na ndio maana mnaona shii tuko tushana morale yake. Tuko tunamsoutenir na kweli yenyewe iko tutafika mbali sana. Tunasikilizana? En tout cas, tuendelee na kusoutenir ekipe pamoja. Niko wenu. Patrick Munyomo qui en divers démarches au niveau de la Chine, qui d'ailleurs est récemment en date du 3 août dernier, était dans la suite de l'OGFREM avec les experts chinois pour une pêcherie moderne dans le lac Kivu. Il nous a indiqué que ce n'est pas seulement pour la pêche, mais d'autres secteurs sont aussi pointés. Niko na entreprise chinoise za mingi, yenye sitakuya. Il est le coup à moi à yenye, effectivement, nilitia ka contact na entreprise national yenye munayua au OGFREM. J'ai sali en passant les DG, il batia ka contact na bakafanya ma projet moya, mais ni entreprise yenye effectivement tuko tunapanga
juu kufanya pêche semi industrielle mula Kivu. Donc niko na bashinwa ba mingi niko na bengine benye biko mu energie niko na angalia ndaba orienté mu ministère ya energie pour que tourne kama batiza pata licence na batiza pata motorisation pour que bafanye exploitation même ya gaz méthane. Le candidat numéro 47 AFDC dans la ville de Goma, très proche aux fans, même au volant de Salim Zine, n'hésite pas de s'arrêter pour écouter non seulement les fans, mais aussi ses électeurs qui attendent avec beaucoup de soif le sifflet de la Commission électorale nationale indépendante afin de prouver noir sur blanc la confiance qu'ils ont toujours gardée à l'égard du digne fils de Goma, Patrick Munyomo Basiluango, candidat numéro 47 AFDC pour la ville de Goma.